C'est pour papa et c'est Thiébaut qui l'a envoyé celui-là. Parce que tu te rappelles que c'était aussi l'anniversaire de papa l'autre jour. Maman, tu es là. On va boire alors. Et tu veux quoi sans pitié, là ? Ok, je peux pas venir, Kemen, pour l'instant. Voilà. This is really hard, Mom. Oui, ça prend longtemps. Ah, voilà. Ah, t'as trouvé comment il va les faire, Tom. C'est bien. Qui t'envoie ça, Tom ? Je sais pas, mais je crois que c'est Diego, non ? Oui. Oh, je crois que je sais qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça, c'est une belle valise, hein ? Tu peux amener ça au boulot ? Tu vas... Oh, on n'a pas le droit d'amener ça au boulot, hein. Non, mais la valise, ça fait présidentiel, comme si tu amènes la bombe nucléaire dedans. Personne ne va savoir. Oh là là, oh, these are nice. Bah, bien sûr. These are high quality. Bah, oui, Thiébaut, il achète que les meilleurs trucs. Oh, mais c'est bien. Tout le monde dans la famille, tu sais ce que ça veut dire, hein. On va jouer au poker. Ça veut dire que Nicolas va être pauvre bientôt. Hein. La prochaine fois qu'on le voit. Vous avez qu'à tous vous entraîner de votre côté. Faites une petite réunion. Mm-hmm. Non, c'est pas pour toi. Je vais prendre tous tes sous là. Hein. Moi, j'aime beaucoup les euros. C'est un de mes argents préférés. Hein. Mes argents. Regarde ça, on aime les clés. La clé, oh putain. C'est super. On en fait vraiment des trucs pourris, nous. Faut qu'on fasse un petit effort quand même. Mais ça pose la question, est-ce que Nico est en train de s'entraîner dans le poker là maintenant? Ben je pense. Hein. Oui. D'accord. Hein. Alors faut que je m'entraîne aussi. C'est moi je joue pas assez souvent. Oui, Kamel, c'est le tour de papa, d'accord. Un super bon joueur, mais peut-être une fois tous les deux mois que je joue maintenant. Je sais pas. Ben maintenant tu peux inviter tes amis toi-même, hein, au lieu d'aller chez les autres que t'aimes pas. Tu peux inviter ceux que t'aimes chez toi. C'est bien vrai, hein. C'est une blague un peu personnelle, c'est dur à expliquer. Mais ce qu'elle veut dire, c'est que je joue à poker avec des gens que j'aime pas tellement des fois. Et bon. Mais maintenant, tu peux inviter qui tu veux, même les gens que t'aimes. Mais mes faux amis là s'en foutent parce qu'ils prennent toujours mes sous là. Oh, pauvre Tom. Bon, voilà. Ok, très bien, merci beaucoup, ça c'était super rigolo, sympa et une bonne idée. Nico, j'attends la prochaine fois pour... un grand match de poker toute la nuit là, hein. Toute la nuit. Bière, tout ça, les chips. Il a que 10 ans. Faut qu'il apprenne, hein. Des chips, t'as fait rigoler qu'il y ait des chips. C'est pas les chips comme ça, il est bête. Ok, salut Tom. Salut, merci.